Le 3 juillet 1932 était inauguré le musée Antoine Lécuyer, 4 ans après la pose de la première pierre. C'était un nouvel écrin pour les pastels Maurice Quentin de la Tour qui avait été légué par le frère de l'artiste au début du 19e siècle, exposé à partir de 1833 dans l'ancienne abbaye de Fervacques, premier musée saint-quentinois. En 1877, le banquier Antoine Lécuyer, jugeant indigne l'ancienne abbaye de Fervacques des pastels de Maurice Quentin de la Tour, lègue son hôtel particulier pour accueillir le nouveau musée de la ville de Saint-Quentin qui ouvre en 1886 après la mort du banquier. Durant la Première Guerre mondiale, le musée reste ouvert. Les seuls visiteurs sont les officiers allemands et les grands de l'Empire. En février 1917, au moment de l'exode de la population, les œuvres du musée sont transférées dans une succursale de la Banque de France à Maubeuge et ensuite installées dans un musée aménagé dans un ancien magasin de Maubeuge appelé Au Pauvre Diable. À l'issue de la guerre, les œuvres exposées à Maubeuge reviennent à Saint-Quentin, à l'exception des pastels de Maurice Quentin de la Tour qui partent à Paris en direction du Louvre et ensuite exposées en 1930 à l'Orangerie des Tuileries. Elles ne reviendront à Saint-Quentin qu'en 1932, à l'occasion de l'ouverture du nouveau musée. Le nouvel édifice est l'œuvre de Paul Bigot, architecte Grand Prix de Rome, chargé du plan de reconstruction de la ville de Saint-Quentin, et qui fait le choix d'un bâtiment de style néoclassique. À l'occasion de la réouverture du musée en 1932, la Société académique de Saint-Quentin montait une grande exposition sur l'histoire de Saint-Quentin et du Vermandois. Quelques années plus tard, la ville de Saint-Quentin crée un nouveau musée, cette fois-ci un musée d'art contemporain, installé dans le palais de Fervacques, musée qui ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale.